Chers Saint-Pérez et chers Saint-Péret, cette année est encore marquée par la crise épidémique et c'est pourquoi je n'aurai pas le plaisir de pouvoir partager avec vous en présentiel la traditionnelle cérémonie des vœux. Une nouvelle année commence pour vous et vos proches ainsi que pour notre collectivité. Et toujours dans le souci du bien-vivre ensemble et de l'attractivité de notre territoire, nous avons engagé des actions structurantes pour notre commune. Le lien social est une priorité, avec la création d'un espace de vie sociale qui permettra de répondre à vos besoins de façon adaptée et coordonnée. N'oublions pas nos aînés et les personnes isolées, les plus fragiles en ces moments festifs. Ils ont besoin de nous. L'accès à l'ensemble des services publics est une autre priorité. Et c'est pourquoi un espace france-service au sein de la mairie viendra renforcer et accompagner tous nos concitoyens et ceux du sud de notre territoire de Granville-Terre-et-Mer. L'accès à la santé pour tous est encore une priorité. Ainsi, la Maison des Aidés et des Aidants est une véritable opportunité pour les personnes âgées dépendantes et leurs aidants de notre territoire du Sud-Manche et c'est Saint-Père-sur-Mer qui a été d'ailleurs choisi par les autorités tutélaires. Un pôle de santé est également en réflexion pour venir compléter ces offres de, de soins. Les aménagements des bourgs de Saint-Père et de Quéron entrent dans le contrat avec le département. Ils constituent également des actions prioritaires pour valoriser nos commerces, notre activité économique, touristique, et pour mettre en valeur notre patrimoine exceptionnel, tant au plan historique, culturel que balnéaire. Les mobilités pour tous sont au cœur de nos préoccupations et devront répondre à ces priorités. D'ailleurs, des actions concrètes seront menées dès 2022 pour y répondre. En tant que vice-présidente, je suis particulièrement attentive à ce dossier structurant pour notre territoire. Vos élus et moi-même avons conscience que toutes ces priorités doivent être menées de façon concertée et durable en respectant notre environnement. Nous travaillons en effet pour les générations futures, dans un esprit de dévouement total au service de l'intérêt général et dans le respect des uns et des autres. Ces voeux sont aussi l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des services municipaux sans lesquels ces priorités ne pourraient se construire. Ils sont encore l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des associations et leurs bénévoles qui contribue au quotidien à tisser du lien entre nous et à vous offrir un panel d'activités pour tous les âges et tous les goûts. Je vous souhaite à tous, ainsi que toute l'équipe municipale, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur et surtout de la santé. Et prenez bien soin de vous.